Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'en ai écouté, moi ça me nickel comme d'habitude. Aujourd'hui les gens, je vous souhaite la bienvenue en tant que Maître Sushi pour découvrir un tout nouveau jeu mobile, Sushi Rolls 3D. On va tout simplement, vous l'avez compris, aujourd'hui essayer de créer les plus beaux, les plus magnifiques et les plus grands maquis et sushi au monde. Du coup on est parti. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui d'accord, déjà du monde. Attends, c'est quoi ce monde? Je viens d'ouvrir le magasin dans la rue, je pensais pas que ça allait être autant populaire. Donc du coup comment ça fonctionne? On est le premier jour et on a d'ailleurs déjà des tips. Mais attends, mais c'est un plaisir. Attendez, je vais vous montrer un petit peu mon talent en histoire et en qualité de sushi et de maquis. Alors attends, donc il va falloir rouler bien sûr. Ah, la feuille d'algue. Alors en vrai j'ai déjà essayé et c'est pas simple du tout quoi. Attends, ok, alors le riz bien sûr, le saumon, attention. Et voilà. Et regardez-moi ça, il est de toute beauté. Maintenant il reste bien sûr à le couper en morceaux. Voilà, et on obtient du coup des magnifiques maquis. Regardez-moi ça, servi avec bien sûr la sauce au soja et les wasabi. Oh, le premier client en tout cas est très content. Bah écoute, ça se passe très bien. Et du coup on obtient un cadeau. Ok, excellent. Alors tu me diras, moi je suis multitâche, je suis à la fois garde du corps avec prothèse de VIP, mais aussi le spécialiste du PQ, hein, avec le jeu de toilette, tu te rappelles? Voilà, enfin bref, je fais plein de métiers, j'ai un sacré CV, tu vois. Un truc qui fait 50 pages, voilà. Donc du coup on vient obtenir, oh, des piments, des paper. Oh, excellent. C'est quoi, c'est une décoration? Ah, mais non mais, il faut pas pleurer ma fille, je suis empereur. Ah, il manque pas un mot là. C'est quoi ce jeu? Ok, très bien. Bon, ça reste dans le thème, hein. Oh, j'ai débloqué des nouilles. Excellent. Ah, je vais pouvoir améliorer mon restaurant et proposer bien sûr d'autres repas. Enfin d'autres recettes, hein, surtout. Ok, donc du coup là, on a un post-it là, très bien, donc on peut rien prendre. Ça c'est quoi ça? Oh, énorme, c'est des trucs qu'on va devoir débloquer. Ensuite on aura également les sashimi. On a les grater, on a les nigiri aussi également. Mais c'est tellement énorme tout ce qu'on va pouvoir débloquer. Il y aura aussi également la soupe. Moi je l'aurais mis plutôt dans les débuts, tu vois, la soupe c'est l'entrée, tu vois. Ah, voilà, après t'as bien sûr les sushis. Bon, ça s'appelle aussi des makis sushis, hein, au passage, voilà. Donc du coup on est parti, let's go. On va faire directement des nouilles, oui très bien. Donc let's walk et pas let's work, ok let's go. Attention, vous allez voir, je suis aussi également le spécialiste des nouilles. Donc le bal de nouilles, ok très bien. Ah d'accord, il faut tourner, ah excellent. Mais c'est trop stylé. Oh là, alors par contre j'en fous la moitié à côté, hein. Ouais, c'est un nouveau style, hein, je pense. Ah, il y a eu quand même des smiley cœurs. Ok, tu peux mettre une décoration, on va mettre ça. Voilà, un petit peu de plantes vertes. Ah d'accord, faut faire pareil. Oh là là, regardez, c'est toute bonté. Bon, c'est le plateau, il y avait un tremblement de terre au moment où je l'ai mis. Ah ouais, je vais peut-être pas tout. Je vais peut-être pas mettre le bocal en entier non plus, non. Attends, est-ce qu'il kiffe? Oh, pas mal. Elle trouve que ça a de la classe, oui je sais, ça fera une belle photo Instagram. Bon, très bien, bon, on continue. Et on obtient du coup les amis, attention, le sashimi. Oh là là, c'est tellement bon ça aussi. Je suis un vrai fan des makis de sushi au passage, j'adore ça. Ah écoute, c'est le péché mignon, voilà, très bien, je le dis. Ok, donc du coup, ensuite on va continuer, bah bien sûr. Et bah avec les sashimi, qu'est-ce que c'est? Une tronçonneuse? Let's slice. Alors, je ne crois pas que... Ah d'accord, ok, non, c'est juste, on va devoir couper finement avec précision. Regardez, regardez ça. Regardez ce sashimi. Oh, 100%. On est bon. Oh là là. On va avoir plein de tips là. Alors là on va pouvoir décorer le resto. Ah, 100%, on est bon, on est bon. Allez, doucement. Et oui, c'est ça, être un maître à sushi. Allez. Yes. Oh là là. Oh, mais regardez ça, regardez. Sur un beau plateau. Et voilà madame, ça c'est du travail, tu vois. Ouais, là j'imagine, tu sais, le cuistot là, le même là, tu sais, avec la viande là, quand il tape dessus, qui scelle un petit peu, tu vois. Voilà, ça, je kiffe ce même. Ok, là on va vous mettre un petit peu de plantes aussi. Ah, ah voilà, non, c'est des oignons frits, on dirait. Voilà, regardez. Ouais, c'est bon, ça suffira. Voilà. Ouais, en vrai, ce plat, je le mets en Instagram. Photo Insta direct. Oui, bon, mange-le avant quand même, tu vois. Voilà, sinon, bon, il risque pas de refroidir, tu me diras. Mais bon, voilà, donc du coup, on a eu 128 de cash. C'est ça que c'est bon, du coup, on va obtenir. Attendez, on va obtenir autre chose. Est-ce que c'est... Ah oui, d'accord, les types, c'est ma banque. D'accord, très bien. Ok, alors, monsieur Monopoly qui arrive derrière aussi. Et regardez les gens, on va obtenir... Eh ben, rien du tout, parce qu'on a 33% d'obtenir justement une nouvelle recette. Eh ben, écoutez, next. C'est quoi l'étoile? C'est pour ça un autre jour. Gold? Il veut de l'or? Bah écoute, let's roll, hein. Pourquoi pas... Est-ce qu'on a ça là? Oh, attends, c'est... Il faut enrouler des billets et des lingots d'or. Alors ça existe vraiment, c'est cette recette japonaise? Oh là là, avec des chaînes en or et en argent, mais c'est quoi ça? Mais attends, mais c'est un délire. Et là du coup on va pouvoir le couper, voilà, en plusieurs morceaux. Et voilà, je vous sers le maquis doré, légendaire doré, tu vois. Avec un petit peu de Yves Saint Laurent, hein, voilà. Il y a du Coco Chanel aussi, hein, voilà, très bien, ok, bon. Bah ça devrait aller, il y a quelques rubis dans les... What? Le mec il doit se péter les dents, ouah, il a ce qu'il fait. C'était un niveau bonus, hein, vous l'avez bien compris, voilà. C'est ça que c'est bon, 380 de thunes.
Oh, on est bien. D'ailleurs, faudrait peut-être j'utilise un de ces quatre l'argent, non? Non, mais ça serait bien, ouais. Allez, attention, on passe à 66%, pas mal. Alors, attendez, je pense que là, voilà, ça y est, je m'en doutais, on va pouvoir maintenant upgrader notre restaurant, du coup, y ajouter des nouvelles décos. Oh, mais c'est stylé de ouf. Ok, donc là, ah, tu obtiens de l'argent, en fait. Plus ton restaurant est stylé, plus tu obtiens de l'argent, en fait, par minute. Ok, donc y a un petit passif, quoi, très bien. Donc là, je vais upgrade, voilà, j'ai ajouté une table supplémentaire, très bien. Il me reste combien? Ça, 170. Ça, c'est quoi ça? Ah, c'est pour le. Ok, là, la table principale. Là, c'est pour upgrader les murs. Ok, et ben on va augmenter Écoutez, voilà, la table principale. Voilà, elle est plus stylée et on va changer les murs. Oh, tellement stylé! C'est tellement classe et on gagne 9$. 9 de cash par minute. Ok, ça roule. Très bien. Bah, écoutez, on retourne au niveau du restaurant. Voilà, et on va préparer du coup pour ce deuxième jour des nouilles. Attends, c'est quoi ça? Ah, d'accord, ok, ça me ramène là, c'est marqué room, oui, c'est la pièce, exact. Des nouilles, ok, très bien, des nouilles, pas de problème. De toute façon, c'est... voilà, donc là, on voit bien qu'il me reste encore 5 recettes à prendre. Let's go! On est parti, les gens, attention, les nouilles, ça on connaît. Attention, on est niveau 5 hein, maintenant. Ah ouais, c'est dans la boîte et tout. Regardez-moi ça. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est toute bonté. Oh là là, pas une à côté. Ah, non, non, non. T'es bon. Oh, on va lui mettre du peppers. On va mettre du piment. Wow. En morceaux comme ça, à mon avis, le mec, il va avoir le feu. Laisse tomber, hein. Que ce soit à l'entrée, à la sortie, t'imagines même pas. Voilà. Le lance-flamme. Écoute, je l'ai appelé les nouilles piquantes. Oui, oui, c'est basique. Bah oui, c'est basique, ouais. J'aurais pu l'appeler le lance-flamme aussi également. Le lance-flamme, très bien. Bon, alors du coup, donc, on va prendre, eh bien, écoutez, les... Ah bah les smileys, d'accord, c'est automatique. Très bien. Alors, je les ai peut-être pas pris aussi, hein. J'aurais peut-être dû les attraper en même temps. Du coup, on récupère 100 de cash. Et du coup, regardez, on obtient également une nouvelle recette. Le nigiri. Et ça, c'est bon aussi, ça. Oh là là, faut aussi que je récolte les tips, hein. Attends, si je la récolte, ça donne quoi? Eh ben, on obtient une pub, hein. Mais bon, vous inquiétez pas, je l'ai enlevé, voilà, je l'ai passé, voilà, très bien. Et là, j'obtiens... Oh, tout le cash que j'ai obtenu, c'est énorme. Oh, et là, lui... Bonjour, l'ourson, tu veux du miel? C'est la boutique à côté, là, tu t'es planté, l'ami. Du coup, bon, j'ai plus rien, les tips, je vous rappelle que c'est les pourboires, hein, c'est les dons, tu vois. Mais bon, là, j'ai tout retiré, voilà. Du coup, on va aller directement dans Room et on va améliorer notre restaurant, on va améliorer les plantes. Écoute, j'obtiens une... Ok, un cadeau surprise. Je sais pas qu'il y a une pub dedans, non? Oh, même pas. Oh, un nouveau plateau. Excellent. Oh là là. J'aurai encore plus de style quand je vais préparer les sushis et tout. Du coup, donc, je vais améliorer aussi... Alors, non, pas ça. Ça, voilà. Donc, une autre table. Voilà, une meilleure table. Voilà. Oh là là. Et là, on gagne 16 de cash par minute. C'est ça que c'est bon. Ok, du coup, on retourne au niveau de la préparation. Et là, il veut que je lui prépare... Allez, vas-y, tu sais quoi? Allez, on va le faire. Voilà, c'est bon, la pêche elle est terminée. Bon, tu me diras, c'est un jeu qui peut bien se compiler avec mon jeu, hein, vu que c'est du poisson, tu vois, tout ça. Voilà, donc du coup, bon, on est parti pour lui faire un plat au... avec du miel. Oh! Attends, on va lui faire un. Ouais, c'est ça, une recette au miel. Oh là là, la tranche de miel! Alors, est-ce que réellement c'est possible ça? Oh, 96%! J'aurais pu mieux faire, mieux faire. Regarde, allez, on se concentre. Regardez-moi ça, tout est une technique. Voilà. Jamais le cuisinier est toujours concentré s'il veut obtenir la monnaie. Ok, c'est bon, on est. 87, ça va, ça va. Ça passe, c'est pas du 100%. Oh là là, ce plateau. Oh. Oh. C'est... Attends, c'est tous les plateaux que je peux avoir. Oh, mais il y en a tellement. Genre celui-là, c'est classique. En bois comme ça, c'est magnifique. La petite assiette japonaise. Oh, le vinyle. Mais non, bon, on va regarder celle qu'on avait quand même, notre toute nouvelle. Et là, du coup, attends. Oh là là, cette tranche de miel. Ah là, il va kiffer. Alors là... On va lui mettre des Haribo. Attends, vas-y, on lui met ça. Et attention, on obtient du coup, regardez le petit sachet de Haribo. Ah, c'est les nounours, c'est tout. Oh, excellent, voilà. Non, mais c'est quoi cette recette? En vrai, il y a concept, hein. Alors, il a sorti le pyjama. Ouah, il a complètement kiffé et on obtient 380, pas mal. Alors, apparemment, ok, bon, il était fier de ma découpe, ce qui a été ajouté comme épice impeccable. Enfin, c'était même pas des épices, c'était des bonbons Haribo. Et par contre, le goût, c'est ça qu'il a pas aimé ou le plateau? Très bien. Et hop, on encaisse. Et là, on reste à 33%. Très bien. Alors après, on a une mission avec la hache. Ah oui, c'est la découpe. Oh, le sushi. Ouh, alors on ira améliorer, bien sûr, la pièce après. Let's go. Let's squeezy. Ok, très bien. Qu'est-ce que c'est que ce broyeur? Ah, d'accord. Non, oh, non, c'est pas un broyeur, c'est un aspirateur à sushi. Regarde ça. La préférence. Arrête. Regarde. Voilà, pas mal. Attention. Oh, lui, il est parfait. Il est parfait, celui-là, regardez-moi ça. Hop là. Yes. Oh, alors lui, 100%. 100% direct. Bah, tellement. On dirait des éclairs. Ok, on va les mettre. Allez, les petites épices. Enfin, des petites herbes. Voilà, un peu là. Voilà, c'est bon. Voilà, et regardez.
Bellissima. Très bien. Bon, du coup, ça en est bon. Allez, tu me donnes combien pour ça? Est-ce que tu kiffes? Oh, oui, il kiffe. Ok, très bien. Il adore. Il adore. C'est bon, il y a une lampe qui s'est cassée la gueule derrière là. C'est quoi ça? Ok, on obtient 128. Pas mal. Et là, j'ai un bien amélioré, bien sûr. Oh, attendez, on a une. Non, je m'en fous. Non, non, je veux pas. Il y a une pub dedans. Non, il y a quand même la pub. C'est quoi ça? C'est Star Wars, c'est en. Allez, très bien, du coup, on passe à la suite et on obtient 66%, pas mal. Allez, on va améliorer, bien sûr. Bah, écoutez, la pièce. Donc, du coup, vous avez vu, c'est comme, ça vaut quand même le coup de prendre hein, le bonus. Parce que tu l'as quand même, la pub, hein. Voilà, bon, du coup, donc, ça, je vais pouvoir l'améliorer. Je vais pas pouvoir l'améliorer parce qu'il y a une pub. Donc, du coup, donc, faut pas déconner quand même. Donc, là, j'ai pas assez pour améliorer le reste. Hein. Ah, c'est 600! Ah, ouais, c'est pas mal. Bah, écoutez, allez, vous savez quoi, monsieur Monopoly, là? Vas-y, je vais la regarder, là. C'est une poule. Moi je me demande bien, mais qu'est-ce que c'est que ça là? Ah, du coup je continue là avec la pipe. Et là? Attends, qu'est-ce que. Mais c'est une. Mais c'est une armée de poules. Mais c'est une armée de poules. Mais welcome. Ok, c'est bon les gens, je débloque la nouvelle table. Donc là, ah oui d'accord, en fait c'est toujours une table où tu. D'accord, tu payes en pub. Ça roule, ok. Donc je suis à 24 de cash par minute, c'est pas mal. Donc j'imagine que quand je joue à côté, voilà, ça se remplit tout seul. Très bien. Donc du coup, tu veux. Ok, très bien, c'est parti, let's roll. Ok. On a ce qu'il faut, on va s'en coller. Voilà, faut bien rouler. Alors ça, j'imagine qu'il faut. Attends, ah, c'est des punaises. Ah. Voilà, il faut les appuyer quand il faut les. Ok, très bien. Quand il faut lever. Voilà, bon, bah alors un petit goût piquant, voilà. Un petit goût de punaise. Je pourrais même quand même dire, monsieur, ça piquait vachement mon truc, je pourrais dire. Oh, bah punaise. Ok, je sors. Je sors. Là, vous m'entendez pas, mais là. Voilà, vous entendez ça? C'est le bruit d'une porte qui claque, hein. A few moments later. C'est bon, je peux revenir? Voilà, parce que. Alors, je l'ai mis un peu de. Oh, bah non, je m'en fais. Attends, c'est bon. On est allé remettre une pub là. Non, mais c'est quoi ça là? Attends, non. Ouais, oui, c'est bien, Magic Finder 3D. Voilà, très bien. Bon, oh! On a débloqué le gratteur! Ok, donc c'est une râpe quoi. Une râpe à fromage. Très bien, donc on pourrait mettre un petit peu de gruyère, ça roule. Voilà, donc très bien. Donc j'ai récupéré là-dessus. Y'a. C'est un. C'est quoi ce monde de Heroic Fantasy là? C'est un épouvantail. Mais bonjour, je voulais avoir le poil. Très bien. Pas de problème, pas de problème. Pas de problème. Ok, ça roule. Ça roule, c'est un bonus level. Je vais le faire. Je le fais. Ok, on est parti du coup pour la recette à base de ballots de paille. Très bien. Oh. Ok, attention. Voilà, le foing. Il y a la paillasse. Il va en avoir. Écoute, il en faut pour tout le monde, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Ok, autant le miel, je comprenais. Bon, celui-là, il sera tout petit. Voilà, c'est le régime. Voilà, et voilà. Et là, celui-là sera parfait. Mais je comprenais pour le miel, mais là, oh le dernier. Magnifique. Toute beauté, monsieur l'épouvantail. Ok, très bien. Tu notes pour combien pour ça? Attendez, il va me donner ça. Allez. Oh là là, c'est bon. Il y a même les petites ficelles, le détail. Et attendez. Non, c'est bon. Je vais prendre du maïs. Là, oh, c'est bon. On va râper du maïs. Allez hop. Tiens. Voilà, c'est parfait. C'est quoi cette recette? Ok. Oh, il a kiffé de ouf. Oh, voilà monnaie, l'ami. Yes! Comme quoi, ça peut être bien d'effrayer des corbeaux, hein. Ok, bon, très bien. Bon, du coup, on est parti. Alors, du coup, il nous faut. On a 683. Oh, on a 20% de la nouvelle recette! Alors, ça, c'est très clairement un couteau et un poisson. Et écoutez, les amis, on va directement retourner dans Room, donc dans notre pièce principale du restaurant. Et j'ai amélioré, regardez la table. Voilà, j'ai dépensé 600. Voilà, c'était quand même assez énorme. Et je suis maintenant en 30$ par minute, ce qui est plutôt pas mal, honnêtement. Du coup, on va continuer. Attention! Il va falloir faire. Ok, ça roule, pas de problème. Let's slice! Let's. Ouf! On découpe le bouton carrément. On découpe. Non, j'ai pas vu correctement. C'est de plus en plus dur, j'ai l'impression. Allez, 89%, c'est pas mal. Allez, là, on coupe bien. Voilà, voilà. Ok. 95, allez, un peu plus haut. Oh, là, on est bon là. Là, c'est le 100% là. Là, c'est le 100%, yes, sur la dernière, pas mal. Petit plateau en bois, magnifique. Est-ce qu'on y ajouterait pas une. Des petites. Tiens, on va râper du. C'est un concombre, voilà, du concombre, voilà. Oh, toute bonté, regardez ça. Magnifique, voilà, alors ça te plaît, tu kiffes? Yes, il a kiffé. Je pense qu'il a kiffé, voilà. Et du coup donc, on va continuer, attention. On est, oh, 519. Oui, il y a les tips, oui, je les tips. Allez, envoie la monnaie, l'ami, attention. On passe à, what? Attends, on est passé à 1200. Mais c'est énorme. Mais alors, sachant que les tips, tu peux les avoir que à la fin de la journée. Voilà, vu que là, on a terminé notre deuxième journée de travail en tant que maître sushi. Du coup, là, on est à 1431 de cash. On va améliorer. Non, pas la plante, non. On va améliorer voilà, ça. Oh, la table! Tellement c'est. Et du coup, j'obtiens une box. Il y a quoi dedans? Oh, le plateau! Attends, il est en pierre forgée. Ouais, c'est un nouveau style, ouais. Ouais, pierre forgée. Et alors, voilà, donc, on dirait du métal un petit peu, tu vois. Et là, du coup, on a également. Le mur qu'on peut changer.
Waouh, tellement stylé avec les tableaux et tout. C'est magnifique. J'adore vraiment ce style. Très bien. Du coup, donc, attends, mais ça, je peux le collecter, ça, en fait. C'est ma thune. C'est la thune que j'obtiens grâce aux 38$ par minute, là. Voilà. Donc, du coup, on va pouvoir retourner au niveau du restaurant. Et là, on est parti pour un petit sushi des familles. Du coup, let's quiz it. Ok, attention. Ah oui, avec le fameux aspirateur. Allez, ce serait bien de le faire en perfect. C'est quoi ça? Le riz, il est moisi ou... Non, c'est peut-être... Tu me dis, c'est peut-être une couleur. Il y a plusieurs types de couleurs de riz, hein, donc... Ok, plusieurs types de riz. Voilà, donc là, on est bon. Attention! C'est le charbon. Voilà, ok, très bien. Voilà. Oh là là, pas une seule partie à côté. Allez, pas sur la fin. Yes! Oh là là, mais j'ai même pas le 100% pour ça! Mais tu déconnes! Voilà, regardez mon beau plateau. Il est tout beau, il est magnifique. Je lui ai à la foirefouille. Voilà, c'est. Bon, voilà. Il était en promo. Il y avait les Black Friday. Ok, donc là, on va lui mettre du maïs. J'adore le maïs. Voilà. Voilà, très bien. Ok. Allez, tu remplis le type là, s'il te plaît. Ouais. Mass smiley. Ça, c'est bon. Très bien. Ok. Et on récupère. Elle est heureuse. Même la bouche, elle dépasse de du visage, tu vois. Attends, c'est un bonhomme de neige ouais, ouais, attends, c'est bien ce que j'ai vu. C'est bien un bonhomme de neige derrière. C'est ça. Bonjour madame. Madame de neige. C'est un niveau bonus. Tu veux de la neige? Mais tu es déjà fait en neige. Bon allez, très bien, très bien. Enfin, tu veux de la neige, tu veux de la glace, pardon. Oui, mais bon, au final, c'est pareil. Ah, c'est un truc froid, tu vois. Bon, ok, très bien, je discute pas. Très bien, très bien. Allez, on est parti pour faire le niveau bonus. Ah, ok, après l'ours et l'épouvantail. Ok, en plein dans la glace. Voilà, 100%, parfait. On vise un peu plus haut, regardez. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Là, ça sera du 90. Ah, du 90. 95%, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh là, on est bien. On a... Ah, oh, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est la tremblote. C'est le stress. Oh là 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 là. Je suis allé un petit peu fort, je crois. Ok, bon, j'espère que ça va lui plaire quand même. Attention! Il est là! Regardez-moi ça! La recette à base de glace. Très bien. Un petit peu de wasabi, tout ça. Oh, on peut lui mettre. Des boules! Des boules de sapin de Noël! Très bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne sais pas ce que mangent les bonhommes de neige, mais en tout cas, elle a complètement kiffé. Oh, t'imagines, j'ai x3, attends, on fait en x3. Attention, valide la thune, attention! Oh là là, 1500! Et on a bientôt la nouvelle recette. D'ailleurs, attends, d'ailleurs, on en est où au niveau des recettes? On est. Oh! Aux trois dernières! Il nous reste les trois dernières, donc le fish grilling, la soupe et le slice grater. Ok, excellent! Donc, du coup, bonjour, vous voulez un maquis, c'est ça? Alors, bah écoute, bah, let's go pour le maquis. Et après, on va améliorer, bien sûr, notre restaurant et aussi également la nouvelle recette. Et regardez, les amis, on va obtenir. Alors, déjà, un cadeau, non, ça, on s'en fout. Moi, je veux la nouvelle recette! Voilà, on obtient le fish grilling. Très bien. Ah, c'est pour enlever les écailles du poisson, ça roule. Ok, donc ça, on récupère au niveau de la thune. Très bien. Je suis à 1885. Bah écoutez. Est-ce qu'on fait la nouvelle recette maintenant? Ah oui. Ok. Donc là, faut bouger le couteau. Voilà. Comme ça. Ah, de haut en bas. Très bien. Voilà, faut enlever toutes les écailles proprement. Est-ce qu'on peut tourner le poisson ou pas? On peut peut-être le... J'ai rien à le tourner. Ça va peut-être, voilà, le faire automatiquement. Regardez-moi ça. Mais c'est un 100%, c'est obligatoire ça. Tu peux pas te planter. Oh yes, c'est énorme. Et là, du coup, il va falloir le couper. Oh là là. La précision. Ok, allez. Regardez, 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 regardez. On se concentre, on se concentre. On pense au smiley. On pense au smiley. Et c'est un... C'est pas fini, c'est pas fini. J'ai failli lâcher les commandes du téléphone. Ok, ok. Doucement, doucement. Voilà. Voilà. C'est un 100%. On n'a rien vu, on n'a rien vu. Il n'y a pas faute, monsieur l'arbitre. Oh, horrible, 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 horrible. Ah, dommage. Dommage. 80% sur la fin. Dommage, dommage. Mais bon, c'était beau. C'était beau quand même. Voilà, le petit plateau. Allez, on va y mettre quelques bouts de maïs. Le cornichon, de concombre, comme tu veux. Ah, allez, vas-y, du maïs. Très bien. Allez, hop, on râpe ça. Voilà, comme ça. Pas trop, pas trop. Ok. Et là, regardez-moi ça. Hop. Et voilà. C'est ça que c'est bon. Plus 124. 128, 128. Attention. Le souci des détails. Voilà. Et on est à 2000. On est à 2000. Ça, je m'en fous. Je m'en fous. Regardez, du coup, on obtient 33% au niveau de la progression de la soupe. Enfin, quand je dis nouilles dans la soupe, c'est des ramen. Hein, voilà. Ça s'appelle vraiment des ramen de base. Voilà. Et les amis, ça y est, regardez, je viens de débloquer la soupe. Oh là là. C'est tellement bon en plus cette soupe là. Ok, donc du coup, on est parti. Regardez. Bonjour. Je suis à 5000 de cash, les gens. Et il me reste plus qu'une seule recette à obtenir. Alors là. Si je suis pas un maître en la matière, alors là je comprends pas, tu vois. Donc du coup, donc direction notre restaurant, on va améliorer bien sûr. Et bah écoutez, les tables, voilà. Ah, énorme. Donc celle-là, non, c'est mort. Voilà, donc ça je prends aussi également. Oh, la nouvelle plante aussi. Oh là là, le sakura. Et on obtient un cadeau. Il y a quoi dedans? Qu'est-ce que c'est? Oh, un nouveau plateau. Énorme. Ah, tu me diras, j'en ai déjà un nouveau, tu vois. Et ça, je peux le changer ou pas? Non, c'est 2500. Regardez-moi ça, on est à 56$. On est au niveau 2. Énorme, franchement, ce resto est tellement magnifique, tu vois, il est magnifique. Ok, donc du coup, attention, tu veux des... Qu'est-ce que c'est?
Des nouilles de je sais pas, des restes de vache, j'en sais rien, tu vois. Bon, ok, allez, vas-y, on envoie ça. Allez, du coup, on est parti pour une recette spéciale à base de soucoupe et de nouilles d'alien. Très bien. Écoute, ils mangent ce qu'ils veulent. J'en ai... Oh là là, j'en fous la moitié à côté. Allez, 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 on déborde, on déborde, on déborde. Ça déborde et c'est à 100%. On va lui mettre un peu de panneau de zone 51, tiens. Voilà, c'est quoi ce truc? Voilà, et René, c'est mon nouveau plateau que j'avais débloqué. Il est tellement magnifique. Il est de toute beauté. Voilà, très bien. Donc, du coup, on va le prendre. Allez, tiens. C'est moi, il y a une nouille qui transperce. Bon, tu me diras, c'est un truc d'alien. Oh, tout ce qu'il a donné comme cash. Énorme. 380, moi, ça me va. Nickel. Et on obtient 16% de progression pour la dernière recette. On verse la soupe, attention. C'est le moment de verser la soupe. Ah, voilà, oui, c'est la nouvelle recette, hein, je vous rappelle. Ok, 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 100 fois que ça déborde. Oh, c'est bon. A dente, comme on dit. Et maintenant, les nouilles. Voilà, c'est bon. Ah non, nya, nya. Il en reste un peu. On va lui mettre un peu de maïs. Le mec, il met du maïs partout. Ouais, j'ai une culture, j'ai un pacte avec un épouvantail. Hein. J'ai de la promo avec lui. Voilà, donc du coup, voilà. On dirait, tu sais, des... comment ça s'appelle? Des curly. Ouais, c'est ça, on dirait des curly. On dirait pas des nouilles, tu sais. Non, mais c'est ouf. Bon, en tout cas, il a kiffé, c'est le principal. Allez, maintenant, c'est l'arrivée de la licorne. Non, mais attends, mais plus rien de m'étonne, hein, plus rien de m'étonne. Du coup, c'est parti pour les sushis. Oh là là, pour la licorne. Non, mais regarde ça, les sushis arc-en-ciel. En vrai, c'est stylé de ouf. Ce serait trop bien que ça existe un truc comme ça, quoi. Il y a concept, hein. Moi, je dis, tu vas en voir partout dans les restos japonais après. Hein. Clairement, obligatoire. Oh, le 100%. Yes, je l'ai eu. Oh là là, ça y est, le 100% avec l'aspirateur arc-en-ciel. Et on va prendre bah, le plateau étant le plus beau, j'ai envie de te dire. Waouh. Non, mais on dirait vraiment des éclairs, hein, je te jure. Ok, très bien. Donc, du coup, oh yes, les paillettes. Ah ouais, elle dégueule des paillettes, carrément. C'est... Ok, non, mais pourquoi pas, hein. Très bien, on est à un niveau, on est à combien de pourcents là? Oh, 66. Oh, il nous reste plus grand chose. Les amis, ça y est, regardez, on vient d'obtenir la Slice Grater. Oh là là, énorme. Non mais c'est, non mais ça va être génial. Là ça va être un délire. On a enfin la dernière recette possible. On va pouvoir gratter des concombres. Du coup c'est parti pour un sushi, let's go. Ok, allez le dernier. Oh là là, il va être beau. Il va être beau, regardez-moi ça. C'est magnifique, tiens, j'ai fait un 100%. En vrai ça va, je gère maintenant, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude, je ne savais pas qu'on faisait des sushis comme ça. Ça se trouve en cuisine, ça se passe vraiment comme ça, t'imagines. Ok, let's go, attention. On est pas mal. Yeah. Un petit 75%, un petit, mais c'est beau, il est honnête, voilà. Et on est niveau 18 quand même, hein. C'est insane, c'est insane. Et bah voilà, et on va... Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça? Pas du litchi, ça? Ok, très bien, je m'y connais pas encore assez, tu vois. Voilà, je débute, c'est mon premier jour. Et bah voilà, ça y est, on obtient... Bon, 52, c'est bon, c'est pas grand-chose, mais bon, c'est mieux que rien. Et on est à 4000 de cash, très bien. Ah, et voilà les amis, regardez, on a terminé avec toutes les recettes du restaurant. Bah, on a terminé le jeu quoi quasiment, hein. Donc vu qu'on a au moins toutes les recettes, après il reste plus bien sûr qu'améliorer le resto au maximum. Après on peut obtenir que des cadeaux. D'ailleurs en parlant de resto, alors lui veut carrément une pile. Non mais c'est bon, là j'ai eu ma dose, hein. Voilà, entre l'ours, l'alien, l'épouvantail et la licorne. Très bien, bon bah écoute, du coup je fais un boutique aujourd'hui, c'est bon. On va pouvoir améliorer bien sûr les gens, regardez. Le mur, mais attends, il est au maximum mon resto. Oui, il reste plus que les pubs là. Mais ça c'est la table du Monopoly, hein, de Monsieur Monopoly. Waouh, il est tellement beau. Honnêtement, il est magnifique. Et bah écoutez les gens, on va du coup s'arrêter là pour la découverte de Sushi Rolls 3D. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si quelqu'un comme YouTube, je vous invite à lâcher un maximum de likes. N'oubliez pas aussi également de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez bien sûr d'autres jeux dans le style à me conseiller, n'hésitez pas bien sûr à me l'envoyer directement dans les commentaires. En tout cas les amis, je vous dis sayonara. À très bientôt les amis.